Hey, salut tout le monde! Break de hockey! Break de hockey. Break de foot, tellement habitué. Break de foot numéro 21. On va commencer par le premier avec le mini qu'on a fait. Donc, top 5 wins sur 21 personnes. 21 personnes. Gros, je suis fatigué là. Donc, désolé. Fait que sur 16 personnes, il y en a 5 qui vont gagner. On fait ça. Après ça, je les rajoute dans le random de ceux qui ont pris un spot. Et on va commencer ça. Donc, 5 fois. Et les 5 gagnants, Dom Caron, Yannick Belzile, Kimi Granger, Kevin Lachance et Hugo Morin. Donc, je vais aller copier les noms de l'autre côté en effaçant les mini. Yannick Belzile, félicitations. Donc, c'est toutes des personnes qui ont plus qu'un spot. Donc, je vais aller marquer. Je vais aller marquer à côté d'un nom des chiffres, étant donné qu'ils en ont pris plus qu'un. Ok, donc Hugo Morin, t'en avais déjà un, si je me trompe pas. T'en avais pas, non, t'en avais pas. Ok. Ensuite, Dom Caron qui s'en est rajouté un. Kev Lachance aussi. Dom Caron qui se retrouve avec trois spots. Deux. Kimi Desgranges, j'avais-tu pris un spot? Non. Et on a ensuite Yannick Belzile. Je pense qu'il avait pris un spot, lui. Ouais. Deux. Et deux. Ok, donc on va commencer ça. On va y aller de suite. Let's go, 6 fois et ça va déterminer les équipes. Bonne chance à tous de la part de Monsieur Hassan, qu'on salue. J'espère que tu vas bien. Et là, on va voir si les settings qu'Hugo a fait en test fonctionnent même quand c'est pas sur le même ordi, parce que c'est comme sur le. Mais je pense que oui. Regardez la qualité en ce moment. Hein. Final round et on y va. Donc, Gilbert Pépin se retrouve avec les Cards et pourquoi je vais la mettre? Et monsieur Mathieu Gagnon se retrouve avec les Falcons et les Giants. David Gilbert, les Ravens, les Bills, Samoa, Yannick Belzile, Dom Caron que les Félins, Panthers, Jaguars. Raphaël Goujon que les Bears et les Texans. Les Bengals, Samoa, Rémi Lancette, Hugo Morin se retrouve avec Cleveland et les Jets. Les Cowboys se retrouvent, c'est le deuxième choix de Raphaël Goujon. Les Broncos, Hakimi Desgranges, David Brousseau, les Lions. Les Packers, Julien Duchesne, Lavoie. David Jalbert, que 3 spots. Ça va avec les Colts, les Chiefs. Ensuite, Maxime Rioux, les Raiders, les Chargers, Michael Robin, gros team. Les Rams, Michael Asselin. Les Dolphins, gros team, Adam Caron, Kevin Lachance. Avec les Vikings aussi, j'aime bien les Patriots, Nicolas Courtier, Mathieu Wagner, les Saints, les Ghosts, avec Kevin Lachance. Yannick Belzile, les Steelers. Mathieu Gagnon, les 49ers, Adam Caron qui termine ça avec les Seahawks. Les Buccaneers à Yannick Gosselin, Guillaume Lapointe et à Clay Titan. Et l'équipe de Washington s'en va à Nicolas Guéry. Et je vais copier-coller ça et on s'en va dans le live tout de suite. Donc là, je vais mettre le défilement. Il devrait apparaître là. Je vais le tasser un peu comme ça. Je vais enlever le nom ici, vous devriez être capable de reconnaître vos noms ainsi que les noms. Et là, on va commencer. On a deux belles boîtes à faire. Si je regarde, ça me semble. Ça ressemble à ce qu'Hugo avait tantôt sur le téléphone? C'est beau. C'est mieux que d'habitude? Si tu l'as enlevé d'abord, mais toi? Juste pour être certain. Ouais, je pense que c'est plus beau que d'habitude. Ouais, je pense que c'est plus beau que d'habitude. Ok! Donc, une petite mosaïque. À ouvrir Blaster, une petite box retail. Et ensuite, on a la Panini Contender là-dedans où on va trouver 5 autographes. Rien de moins que 5 autographes. La dernière fois, on avait eu une belle Tua Art 5. Et on y va, bonne chance à tous. Il
rappelle qu'il y a break de en inscription en ce moment de hockey avec trois boîtes. C'est rien de cette année, c'est rien de l'année passée. Et une Ingrain. Donc, l'Ingrain, on peut avoir des belles cartes recherchées. Ok. Puis même les Young Guns. On en a quand même une couple, la Lafrenière. Hey, grosse game à soir du Canadien. Qui ça commence dans un instant. En plus, je pense que ça commence à 7h30. Donc, contre les Canucks, ils ont au-dessus en 4 games, là, ils ont 23 buts contre eux autres. Fait que ça va bien. Ils ont plus que 5 buts par game minimum contre eux autres en 4 games. Et on y va, bonne chance à tous, le premier paquet. Et on y va. Ok, on commence avec une petite base ici. Une autre base. Et on commence une petite, notre premier rookie dans le fond, la NFL debut pour les Colts de Minneapolis, Jacob Eason. Et ça, je vais mettre ça dans un sleeve. On a une petite Brett Favre ici pour les Packers. Will to win, Brett Favre, la mosaïque. La belle mosaïque, Will to win. Et on va porter, vu que c'est notre premier rookie, on va la mettre. Donc c'est déjà 1-0 pour le Canadien. Bon ben, tant mieux, qui a scoré? Si quelqu'un peut me le dire, j'aimerais bien ça être mis au courant. Ensuite, on y va avec une petite base pour les Chargers. Une base de TJ Hilton. Une AJ Green base. Et en dessous, on a notre première Prism, Michael Thomas. Donc la Prism Green. La Pro Bowl Edition. Et en dessous, on a le truc. Et ça va être mon board. Donc les Saints qui appartiennent. Les Saints de Nouvelle-Orléans à Mathieu Wagner. Donc c'est Joe Anderson qui a scoré. Nice, cool. Je suis content de voir qu'il réussit à continuer à performer. Parce que il a reproché dans le passé un peu de travailler quand ça y tentait. Puis même ça fait. Continue à marquer de temps. Quoi, c'est son cinquième but là? Quatrième ou cinquième but depuis de la saison, c'est quand même très bien. Base. Et une première rookie base, Tyler Johnson pour les Buccaneers Tampa Bay. Là, je vais changer encore mes affaires. Tampa Bay qui appartient à Yannick Gosselin. Donc, on va mettre ça dans un sleeve. Et on a une old school, Jérôme Bettis pour les Rams. Qu'on va mettre juste dans un sleeve. On continue ça avec une Bobby Wagner pour les Seahawks. Une Chris Jones. Une autre base. Ooh, nice one in a Prism NFL debut. The Silver pour Tua Tagovailoa. Donc pour Gant, pour Dom Coron. Comment ça fort la petite Prism ici là? C'est la meilleure carte, on va la mettre la tune de Will Smith et Miami. Ça, je vais te sleever ça tout de suite et mettre ça dans un top load immédiatement. Donc, nice one, ça commence fort là. Imagine si en plus on va chercher une petite rookie dans la Panini Contender. Super belle carte là, regardez ça. Excusez. Et elle va aller au centre, c'est sûr. Donc, dans une retail comme ça, quand on sort un petit Tua, là, on est content. On est content. Ici, on a une petite base. Une Kevin Green Hall of Fame pour les Jaguars, non, les Panthers. Et on a une Randy Moss Touchdown Masters pour les Vikings du Minnesota. Randy Moss, la légende. Il nous reste 3 paquets. Une AJ Green Prism pour les Bengals de Cincinnati. Rémi Lalancette, très belle carte ici. On va mettre dans un sleeve et dans un top load.
Bates de Piggy, Metcalf, David McCarthy, Bates. Une Jacob Eason. Tant là, on avait sa NFL debut. Et là, on a sa Bates rookie. Donc, nice one. Et on a une petite Josh Allen. Lui, qui a essayé cette semaine de se rendre au Super Bowl, mais ça n'a pas fonctionné. Ben, il y a une semaine, dans le fond, fait que ça fait une semaine exactement. Là. On est samedi ou dimanche aujourd'hui? On est mardi. Oh my god. Ok. Ça va bien, hein? Josh Allen, Buffalo, très belle carte. Nice, Fred Gagnon qui a reçu sa checker sur 25. Mais même pas, je pense qu'elle est plus. Elle est genre sur 25 ou elle est sur 20 ou sur 15, ta carte signée, ta Samsonov rookie. Elle est vraiment belle en plus. Et là, c'est le dernier paquet et on a une Rob Gronkowski qui lui s'en va au Super Bowl comparativement à Josh Allen. La Prism Tampa Bay et en dessous, on a notre truc. Hey, on a quand même eu pour. J'ai bien aimé cette boîte-là. Donc, une petite Tua, une Rob Gronkowski, Tyler Johnson. Pas pire, pas pire. Pas pire, pas pire. Ok. Donc, maintenant, on est rendu à l'étape où on va ouvrir notre Panini Contender. Et là, c'est complètement d'autres cartes. Vous allez voir. Sur 15, c'est ça, je pensais pas sur 25. Exactement. C'est vraiment une belle carte en plus. Elle est vraiment, vraiment sharp, ta carte de Ilya Samsonov Rookie, signée sur 15. Regardez la belle boîte ici. Là. Nice. Donc, dans cette boîte-là, on a 18 paquets. 18 paquets de 6 cartes par paquet. Donc, c'est tout. Si je me trompe pas, je pense que c'est eux autres, les Game Day. Ouais, c'est comme genre. Vous allez voir, là. Vous allez comprendre. Je vous l'explique quand je vais l'ouvrir. Et je vais toutes les ouvrir d'avance, comme je fais d'habitude. Comme ça, quand on commence à breaker, ça n'arrête plus. Tabarouette, ça va bien, ça va bien, 2-0. Anderson encore, incroyable. Les Canadiens sont fous. Mais là, j'espère que c'est pas parce que. Là, faut souhaiter que quand il. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas une équipe qui arrive à la cheville du Canadien dans la division en ce moment. Ça me fait un peu peur, pour être bien honnête. Parce que je me dis, est-ce que c'est les équipes qui sont. Est-ce qu'entre eux autres, sont bonnes, là? Tu sais, oups. Vancouver, ils sont quand même 6 victoires, 6 défaites avant ce soir. Et on parle quand même de 3 défaites contre les Canadiens là-dedans, là. Donc, j'ai hâte de voir. Donc, c'est ça ici, les bases. Donc, c'est comme des tickets de match. Donc, une base. Et là, on a une autre base. Je pense que c'est les dernières cartes qui sont pas des bases tout le temps. Donc, une GK. Oh, nice. Une GK. Dobbins ici, Rookie of the Year Contender. Donc, elle n'est pas numérotée par contre. Pour les Ravens de Baltimore. Ça s'en va à notre ami David Jalbert. Non, c'est ça. Ils ont le P. Dans la division, c'est genre comme. Il n'y a aucun bon goaler à part le Buck, pour être bien honnête. Là. Puis quand il y a un goaler qui a comme décidé de jouer une bonne game, on s'est fait blanchir. Mais tu sais, ça arrive. Il faut en perdre dans la saison, là, c'est sûr. Et on a une Legendary. Emmett Smith ici pour Dallas. Raphaël Goujon, donc lui qui était mon joueur préféré lorsque j'étais jeune. Je connaissais pas super beaucoup le football, mais j'aimais les Cowboys, qui lui c'était comme un des seuls que je connaissais. Avec Troy Aikman.
Et on a... Ouh! Et là, on a frappé quelque chose, les gars. On a frappé une petite Justin Jefferson, numéroté sur 49. Donc, lui qui fait la fête en montrant comme s'il y avait des lunettes avec ses gants jaunes. Minnesota, c'est à qui ça, Kev, la chance. Grosse carte, là. Rookie of the Year. Contenders, Justin Jefferson, 14 sur 49. Et on peut la mettre comme... Ouf! Incroyable! Super belle carte, ça va sur le board tout de suite. Donc, il y a lui qui est vraiment, vraiment contender pour la Rookie of the Year. Et en dessous, on a une petite. Donc, comment ça fonctionne, ça? C'est ce qu'on m'avait dit. C'était que c'était celui en haut qui avait la carte, donc les Chargers. Mais regardez! Pour aujourd'hui, là, dans le fond, on l'avait fait comme ça, là, mais aujourd'hui, je vais les faire quand même parce que c'est quand même deux grosses rookies. Là. Je vais quand même la faire. Je vais la faire tirer entre les deux personnes. Là. Justin Herbert, là, on a Run Contender ici. Là. Et Justin Love, qui sont quand même deux bonnes recrues à avoir. Là. Donc, je vais la faire tirer tantôt. On devrait en avoir trois comme ça. Puis, moi, on m'avait dit, c'est celui en haut que tu vas. Celui que tu choisis en haut. Là. Mais là, ça, c'est, je trouve ça trop difficile. Ça me dérange pas de faire tirer ça. Et on a une MVP. Donc lui qui vient d'être échangé, qui vient de se faire échanger au Lyon. Jared Goff. Goff, désolé. Goff. MVP contender pour les Rams. Donc on va sleever ça. Et on n'a toujours pas eu notre première signature parce qu'on va en avoir 5 des signatures. Hein? J'ai hâte de voir. Ouh, donc une petite T Higgins ici pour les Bengals, Rookie of the Year, Contenders. Et en dessous, on a une petite. Là, la carte là, qu'on retrouve tout le temps à la fin des paquets. Là, un genre de truc pour enfants. Et notre première signature s'en va aux Jaguars. Donc les Jaguars qui appartiennent à Dom Caron, signature de la Rookie. Davin Hamilton, Davin Hamilton. Et voilà. Et en dessous, on a un MVP contender pour les Rams. Donc, le coéquipier. Ben, l'ancien coéquipier de Jared Goff. La panier contender de Aaron Donald, MVP contender. Et là, ici, on a la petite signature de Davin Hamilton. La première sur 5. Let's go! Ça, c'est certain que. Le Gronk, on va le mettre ici. Et là, il nous reste. On est presque rendu à la moitié de la boîte. Juste pour faire, la prochaine carte va être à l'envers. Et on a une Rookie of the Year contender pour les Jets de New York. Elle n'est pas numérotée. De Denzel Mims. Et on a une petite Panini Contender round number ici entre nos amis les Bears et donc une petite Cole Kmet et une Chase Claypool. Et puis ça ici quand même, je vais la faire tirer tout à l'heure. Parce que j'ai dit que j'allais faire tirer en première. Puis là, on va juste établir un règlement clair là, pour les prochains breaks. Parce que là, je trouve ça plate pour ceux qui sont en bas. Puis je me demande, est-ce qu'ils changent? Est-ce que des fois, tu sais, la petite Ebert, est-ce qu'il est en bas? T'sais? Parce que sinon, c'est plate pour la personne qui a... qui a, mettons, celui en bas, puis qui bouge jamais. Fait que... Et ici, on va avoir une petite signature de monsieur. On a deux belles cartes, là, deux petites secondes. Là. Donc, la première, on a vu la Cam Newton, mais on va regarder la petite Carrie Willis, rookie, pour les Colts d'Indianapolis. Donc, très belle carte. Et en dessous, on a vu la petite Cam Newton. Pas certain, par exemple, que Cam a encore un avenir prometteur dans la ligne. Il va... Ça peut bien être pour lui cette année, là.
Ben, c'est ce que je pense aussi, Nicolas, en passant. Mais c'est parce que la personne qui m'a dit ça la dernière fois dans le chat, c'est vraiment quelqu'un à qui j'ai confiance au niveau du football. T'sais. Puis, j'avais, tu sais, j'ai fait OK, c'est bon. Puis, il était même pas dans le break. Donc, c'était. Fait que ça jouait pas en sa faveur à lui. Fait que, mais là, il faut que j'analyse ça plus en profondeur. Je vais aller randomiser aux autres, là, parce que. Oh! Et c'était Barry Sanders ici, Legendary Contender pour les Lions de Troyes. Donc. Les Lions de Détroit qui appartiennent à David Brousseau. Et en dessous, on a un autre petit contender. Mais là, on n'aura pas de petit random à faire parce que c'est deux gars de la même équipe, donc des 49ers de San Francisco, Mathieu Gagnon, la Javon Kinlaw et la Brandon Ayuk. Pour les 49ers. On va aller voir notre première, la MVP contender pour les Saints, Michael Thomas, le wide receiver pour les Saints, Mathieu Wagner, et là, on va arriver à notre signature. Ouh, je pensais que c'était Justin Jefferson, j'ai dit tabarouette, mais c'est là, c'est son coéquipier, KJ Osborne. Signature, KJ Osborne, la rookie. Donc on est rendu à notre troisième signature. Il nous en manque deux et il nous reste six paquets, je pense. Donc. On a une petite rookie contender ici de Henry Ruggs. Troisième du nom pour les Raiders de Las Vegas. Elle n'est pas numérotée. Donc, jusqu'à présent, là, selon moi, la grosse carte, c'est la Jefferson numérotée sur 49. Dans ce break-là. Mais dans cette boîte-là. Moi, j'aime bien la Tua, mais par exemple, c'est la NFL Debut. Donc, c'est sûr. Mais, il faudrait que j'aille voir. Il a tout ça pour que ça soit à l'envers, regardez bien. Legendary ici, Contender, Rick Butkus. Butkus, ce qui est numéroté, je vais regarder comme faut. Non, donc pour les Bears de Chicago. Rémi Lalancette. Il nous manque toujours deux signatures. Et on a une clear cut ici. Et là là, je vais cacher l'autre parce que je sais pas, mais là ici. Oh shit. On aurait une petite plate en métal pour les Chargers. Joe Reed. One of one ici. Joe Reed, les Chargers. Ça, c'est à qui les Chargers? Michael Robin. Ouf! 1-1. C'est vraiment 1-1 de football que je sors. Et peu importe. Je vais regarder là. En plus, c'est. Il est rookie en plus, puis là, ouh, ok, nice one. Et là, on peut la mettre. Money, money. Grosse carte. Donc, imagine, ça a été une Justin Herbert 1-1, ça a été fou. Incroyablement fou. Donc, c'est un très beau hit même. Donc, la petite plaque en métal 1-1. Template plate. Je vais la mettre tout de suite dans un upload. Et il nous reste donc une... Ouh, Justin Herbert, son coéquipier, donc gros paquet là, pour les Chargers. Donc une petite Rookie of the Year contender, Justin Herbert pour
Les Chargers, on a aussi la 1 de 1, nice. C'est Michael Robin, si je me trompe pas. Ouais. Quand même. Deux pas pire hits, là, back-à-back. Ouf. Ça va bien, ça va bien, hein? Est-ce qu'on va avoir une Justin? Est-ce que t'as un Justin Herbert signé? Ça serait incroyable, ça. Et ça ici, ça s'en va aux Vikings. On a Justin Jefferson et Jeff Gladney. Donc, on va mettre deux cartes avec Justin Jefferson dessus. Ça s'en va tout de suite aux Vikings. Il nous reste une signature, deux paquets. Est-ce que c'est dans celle-là? On va voir. Et après ça, moi, je vais aller faire les randoms. On a une winning ticket ici pour Aaron Rodgers. Malheureusement qu'il n'a pas eu son ticket pour le Super Bowl. Pour les Packers. Les Packers de Green Bay. Il nous reste un seul paquet, j'imagine que c'est là. Je vais recompter les signatures pour être certain. On en a une, deux. Et là, en arrière ici, j'en ai la troisième, quatrième. Il nous en manquerait une. Il nous en manquerait une, elle devrait être là-dedans. Donc, on garde ça pour la fin. On aime ça de même. Et voilà. Et voilà, il l'avait collé. Oh, il l'avait collé. Kevin Lachance avec Philadelphie qui dit qu'il manquait juste Hurts. Il est là. Sur 25 seulement, la 15e exemplaire pour Philadelphie. Et voilà, il l'avait collé. Dernier paquet. Oh boy. Et ensuite, on a une petite MVP contender pour Tom Brady et les Buccaneers. Ouh. Hey, ça c'est un nice hit, le gros. Sur 25 seulement, la rookie auto. Et en plus, elle est vraiment bien faite, là, la signature. Là, au point où je me demande si c'est un sticker ou pas. Là. Pour de vrai, j'ai l'impression que c'est art. Je veux pas rien, je veux pas. T'as mis même. Là. Mais oui, et art 5 en plus, mais oui. Et voilà! Let's go, man! Incroyable! Donc, parce que si on regarde les deux, tu vois le collant, l'autre tu le vois pas. Ok, bon, ben ça c'est le hit. C'est le gros hit, maudit. Puis là, faut pas j'oublie la Tom Brady. Hein. Donc la petite Tom Brady pour les Buccaneers. C'était le dernier de notre paquet. Donc, il valait la peine quand même d'attendre ce petit break-là parce qu'on a eu des gros, des belles, des beaux hits là, dans cette boîte-là. Là. Puis même dans l'autre boîte. Donc, je vais récapituler. Je vais aller faire le random pour les deux qui sont ici. Kev la chance, incroyable. Ok, je vais aller juste me faire un new giveaway. Et je vais l'apporter pour que vous puissiez le voir, pour faire comme hier, j'avais oublié de changer l'écran. Donc, new giveaway. Fait que là, pour la première carte qui est entre les Chargers et les Green Bay, on va rouler les dice. 6 fois. Et là, je vais quand même marquer. Et on y va. Final round. Donc, celui qui va être en haut va gagner. Les Chargers. Donc, Justin Herbert. Donc, tu as deux Justin Herbert chez toi, monsieur Michael Robin. Et là, on s'en va faire l'autre giveaway. Donc, Justin Herbert qui était en haut. Là, on a les Bears, donc Chicago. Contre Pittsburgh. Attends. Combien de fois on brasse ça? 4 fois. Attends. Non, mais. Ça va plus vite. Et là, qui est-ce qui va l'emporter? Le prochain round, celui en haut l'emporte.
Et c'est Chicago qui l'emporte, donc lui aussi qui était en haut. Donc, mais bon, c'est le random qui a décidé. Et on s'en va. Je vais retourner au live scene pour pouvoir vous montrer les belles cartes qu'on a eues. Donc, ok, donc on va commencer ça en allant au live scene. Ah, j'étais pas là déjà? Ok. Ok, bon, donc d'abord on a ouvert la petite mosaïque blaster et on a quand même eu quelques belles cartes, notamment on a eu une petite Rob Gronkowski ici pour Tampa Bay Prism, une Tyler Johnson Rookie in a Pro Ball Edition Prism verte, la NFL debut de Jacob Eason, une AJ Green Prism. Ensuite on est allé ouvrir la boîte de la petite boîte de Contender. Et on a eu plusieurs signatures, dont celle de David Hamilton, le coéquipier de Jefferson, mais ici c'est KJ Osborne. On a aussi eu les Vikings qui se sont retrouvés avec cette belle carte de Contender. La signature de Kari Willis pour Indianapolis, Chicago, donc félicitations pour lui. Justin Herbert, on a eu un Justin Herbert, en plus, Rookie of the Contender. Et là on va arriver dans mon top 3 et ma mention spéciale. Donc ma mention spéciale s'en va à la petite Prism qu'on a eu dans la Blaster, une belle carte Blaster. Troisième position j'ai mis la Jefferson, la deuxième position j'ai mis la 1 de 1 et la première rien de moins que la Championship Rookie Hard 5 sur 25, la 15e pour Kevin Lachance de Jalen Hurts. Félicitations, c'est un beau podium ça. C'est un mot du beau podium, je vous dirais en fait. Donc je vais en voir qu'est-ce qui se passe avec le hockey. Voir si on fait ça. Si on fait ça. Bientôt.